Tu es bien que la femme qui refuse la polygamie, c'est une paresseuse. Non, la mère, attends d'abord. Les gars, certainement vous avez vu ces images. Parce que ça fait le boom sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. En fait, c'est un monsieur. Je parle d'un monsieur, je crois que c'est à Douala. Ce monsieur est à respecter. Il a décidé en un seul jour de passer l'anneau, de passer l'alliance sur les doigts de ses 5 épouses. Les gens sont dépassés. Ça, c'est une vidéo qui a fait couler les salives. Moi-même, je suis inquiet. Je suis dépassé, mon frère. Oui, c'est pas nouveau. On a entendu même les photos Victor qui avait les 60 ou ses 50 femmes. On a vu même au nord les gens qui ont les 10 femmes. Mais décider en un seul jour et devant un seul maire, aller passer l'alliance sur les doigts de ces femmes. Non, les gars sont puissants ici. Le mariage avec nos soeurs aujourd'hui là. Chacune veut être seulement avec son gars. Joe, tu as fait comment? Écoutons d'abord le monsieur ici. Hein. Il est trop fort. Je vous prends après. Ok. C'est l'homme de toutes les attractions de l'arrondissement de Melun. Eh bien, de même le département du Mungo ce soir. C'est l'homme qui a prouvé que lorsqu'il y a de l'amour, plusieurs oiseaux peuvent sucer la même orange. Eh bien, ce soir, il a passé non seulement une, deux, mais 5 alliances. Oui, 5 alliances à 5 femmes. Il a scellé que ces femmes sont désormais ses propriétés. L'homme de toutes les attractions de ce soir nous donne l'exclusivité d'être avec lui. Veuillez rapprocher la caméra, s'il vous plaît. Alors, ces 5 femmes que désormais vous avez la charge de les gérer, comment est-ce que ça va se passer? Les choses vont se passer sans problème. Sans problème. Sans inquiétude. Il faut dire que je c'est. Face à vous, et voilà mon premier-né. Que je vais faire avec eux. Avec l'aide. Et avec tout ce temps, je pense que les choses vont être supportées sans problème. Je pense qu'avec plus de temps que j'ai pu faire avec eux, je pense que je n'ai plus d'inquiétude. Je n'ai aucun problème. Alors, c'est combien d'enfants au total aujourd'hui avec ces nombreuses femmes? Je suis au moins dans les trentaines. Hein. Une trentaine d'enfants. Alors, il faut dire que la régularité, l'assurance de l'éducation de ces enfants, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous organisez ça? On fait le maximum possible. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas une histoire d'hier. Le gars gère ses 5 femmes. Quand on parle, le gars parle d'une trentaine, ça veut dire que chaque femme-là a au moins 6 fois 5 trentaines. Papa, mes respects. Tchai! Vous avez vu l'un de ses enfants. Hé. Mes soeurs, est-ce que vous voyez? Et ce qui me surprend, vous voyez les femmes-là sont en train de danser. Et elles sont encore... Yeah. Moi, je me disais que ce sont même encore même des nouvelles femmes, ce sont encore même des... Les femmes ont accouché 6 enfants chacune. Ou bien d'autres ont fait 10, d'autres ont fait seulement 2, d'autres ont fait 3. Je ne sais pas. Les femmes là sont en couple. C'est que le monsieur là les entretient bien. Le monsieur a les moyens. Oui. J'ai entendu certains parler de la sorcellerie. La polygamie, c'est la sorcellerie. La polygamie est montée, est descendue. Vous avez suivi notre maman au départ là. Que la femme qui refuse la polygamie est une paresseuse. Oui. Les femmes qui ont droit que Mimba, que non, mon mari c'est pour moi seul, patati patata. Sachez que bientôt là, les femmes sont en train de nous dominer déjà. Bientôt, les femmes vont commencer à doter les hommes. Ne soyez pas pressés. Mais sinon, le monsieur si, chapeau papa. Oui, comme je vous disais, on a vu beaucoup de couples comme ça. On a vu beaucoup de foyers comme ça au pays. Oui, je me rappelle. Le feu, photo Victor. On disait que le gars avait 60 femmes. Mais on n'avait jamais vu comment le gars a aligné peut-être même 3 ou 2 ou 5 le même jour pour passer l'anneau, mon frère. On a déjà vu peut-être les 2, les 3, mais le gars prend le courage 5. Non. Il faut qu'il nous donne le secret. Ça, le vieux, tu es fort. Plus de 30 enfants. Et tous les enfants là sont tes enfants, merde. Mais c'est fort, hein. Le secret même c'est quoi, les gars? La mère, tu disais quoi? Parle. Je dis bien que la femme qui refuse la polygamie, c'est une paresseuse. Hein, papa? Et après? Elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Yes, une femme qui réfléchit ne doit même pas refuser de signer la polygamie. Oui. Donc vous aimez la polygamie? J'aime la polygamie. J'aime la polygamie. La polygamie est bien. Hein? La polygamie est bien.
Pourquoi? La raison. La polygamie est bien parce que si j'ai manqué, je, ma grand-mère, pardon, je veux. À ta propose. Oui. Pardon, ma mère, je vois telle chose. Pardon, ma grand-mère, je vois telle chose. Elle va me donner. Donc, tu peux accepter que ta fille signe polygamie? Pourquoi oui. Hein? Oui. On n'accepte pas oui, pourquoi. Donc, moi, je conseille à mes enfants que si tu veux signer l'acte un jour, n'accepte jamais la polygamie. Monogamie n'est pas bien. Polygamie! Quand monogamie ça ne va pas, tu es loin là-bas de l'autre côté. Le monsieur est loin là-bas de l'autre côté. Et toi, tu peux te marier facilement. L'homme se marie facilement. Tu te condamnes pourquoi quand tu signes la monogamie? Non. C'est comme si les bâtards, ils sont une autre planète, mon frère. Les bâtards, ils vivent. Et que la monogamie n'est pas bien, donc elle ne peut pas conseiller sa fille de signer la monogamie parce que. L'autre témoin que le jour qu'elle n'a pas l'huile, le jour qu'elle n'a pas le sel, elle passe chez sa coépouse. Frère bas de Dieu, c'est quand même terrible, hein? Je vous respecte. Quand je pense que, quand vous voyez souvent un père qui a cinq femmes comme ça, là, si vous partez chez lui, peut-être les cinq femmes là sont dans une seule maison, hein? Donc, je vous respecte. Partagez la vidéo, les amis. Je vous assure, je suis dépassé. Je vous présente l'équipe Shop, l'équipe Tip, l'équipe du studio Vision Pro. Voilà, vous connaissez déjà où le studio Vision Pro est situé, en face de Talon Gousso. Donc, pour tous ceux-là qui ont leurs événements, mariage, baptême, anniversaire, funérailles, conférences, tout ce que vous voulez avec drone, super caméraman, super photographe, tout ce que vous voulez, contactez tout simplement le studio Vision Pro, le professionnel. Le professionnalisme là, c'est notre affaire. Et je vous rappelle que nous avons les équipements comme ça en double. Nous sommes ici à la mairie, il y a une des premiers et l'autre équipe est au niveau de Hilton. Donc nous pouvons les événements, quel qu'en soit le pays même. Même s'il faut prendre l'avion, on prend le vol, on part pour faire l'événement. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.